Tu l'as fait une fois. Et tu dois le refaire. Je lui ai parlé, mais je ne sais pas s'il a vraiment compris. Je lui ai parlé, mais... Aux armes ! Le lieutenant a ordonné l'assaut pour toute la compagnie. Allez, tenez-vous prêts ! Troisième section à vos ordres. Prenez à gauche! Prenez!
Chargez! Chargez! Cher Paul, voici le code Morse que j'ai fait pour toi. Tu l'as sûrement appris à l'académie. C'est une langue à part entière que j'arrive maintenant à parler couramment. Heureusement, mon poste télégraphique est bien abrité. Et il m'a déjà sauvé la vie deux fois. Je suis bientôt en permission. Est-ce que je te verrai cette fois? Ou seulement mère? Prends bien soin d'elle, s'il te plaît. Rends cette dague à ton frère! Pardon, Paul, je... Hors de ma vue, sale petit voleur! Tu n'es pas digne d'être mon fils! Je me sens chaque jour de plus en plus mal. Pitié, mère de miséricorde, venez-moi en aide. Je ne veux plus d'injections. Son père, son ordre, son poison. Il dit que je suis folle. Il dit que le coucou est mon fils. Mais je connais la vérité. Ils m'ont tout pris. Mes enfants, ma langue. Et même mon nom. Il a jeté ma Bible au feu et a brisé vos statues. Mais ils ne peuvent pas me séparer de vous. Mère de miséricorde. Mère de douleur. Thank you.
profonde de mon désespoir. Seule la musique peut me sauver. Me pousse pas. C'est pas ma faute, t'es lent comme un escargot. Tu fais super mal la courte échelle. Je vous ai déjà dit de ne pas passer par la fenêtre. Mais tu n'as pas ouvert la porte. Oui, j'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Oh, les garçons. Allez, entrez. Mais pas de bruit. Votre grand-père dort. Avec une profonde tristesse que nous vous informons que les fils de notre directeur général et petit-fils du grand général. Maintenant. Arrête de m'éclabousser! Maman, il m'a lancé de l'eau dessus, je suis tout mouillée! Viens t'asseoir sur la rive avec moi. Voilà. Mets tes pieds dans l'eau. C'est agréable, cette chaleur. Non? C'est chaud et mouillé. Regarde les voiliers. Qu'est-ce qu'ils vont vite? Je parie qu'ils vont en Amérique. Depuis Vanzée, les lacs sont pas si grands que ça. Qui sait? Peut-être trouveront-ils un chemin. Ils peuvent suivre la Havel, puis l'Elbe jusqu'à Hambourg, la porte du monde. Et à partir de là, tout est possible. Le 25 mai 1916, Magdalena refuse d'accepter que nos...
je l'ai senti. C'était comme si mon Johannes